Comment garder l'esprit actif et en bonne santé Avec le temps, notre cerveau subit des changements. Tout comme nous nous préoccupons de garder notre corps en forme, nous devrions aussi le faire avec notre esprit. Dans cet article, nous vous donnons quelques conseils pour garder un esprit actif et en bonne santé. Pour garder l'esprit actif, vous devez trouver l'équilibre entre l'éveil et le sommeil. Le cerveau est très délicat et ses fonctions cognitives souffrent plus que nous ne le pensions. Il est non seulement affecté par le temps qui passe, mais aussi par l'anxiété et les émotions négatives qui peuvent le blesser énormément. Pour cette raison, à certaines occasions, nous sommes plus enclins à être confus, à oublier des mots ou des dates, ainsi qu'à souffrir de problèmes de concentration. Pour éviter cela, il est préférable de consacrer du temps à prendre soin de notre cerveau. Nous devons traiter notre esprit de la même manière que nous nous soucions de notre hygiène personnelle. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, ne vous inquiétez pas. Dans cet article, nous vous donnerons quelques conseils pour garder l'esprit actif et dans le meilleur état possible pour faire face au quotidien. Quelle que soit l'étape que vous traversez, avec les conseils suivants, vous aurez moins de problèmes. Conseils simples pour garder un esprit actif 1. Poisson bleu, fruits et légumes, la combinaison idéale poisson bleu, fruits et légumes pour un esprit actif. Le saumon, la sardine ou le thon sont riches en acides gras, notamment en oméga-3. Comme vous le savez, il est fortement recommandé de consommer des aliments qui en contiennent, car notre corps ne le génère pas par lui-même. L'oméga-3 potentialise l'action des antioxydants. Ceux-ci sont essentiels pour prévenir la détérioration cellulaire et, par conséquent, pour maintenir les neurones avec la plus grande vitalité possible. En ce sens, nous vous recommandons aussi d'augmenter la consommation de fruits et légumes étant donné que c'est la plus grande source d'antioxydants. Par conséquent, le mélange de tous ces aliments favorisera que notre esprit reste en bonne santé. 2. Changez vos itinéraires habituels. L'automatisation est l'ennemi numéro 1 de l'esprit. Lorsque nous faisons les choses sans penser, notre cerveau n'est pas aussi actif, et nous l'utilisons pour exécuter des tâches simples en réalisant le moins d'efforts possibles. Comme pour le reste du corps, le résultat est que nous, nous ne faisons pas autant d'efforts et que nous rencontrons des difficultés lorsque nous voulons retenir des informations ou nous concentrer sur quelque chose. Par conséquent, il est conseillé de varier nos itinéraires habituels. Lorsque nous marchons ou conduisons dans un endroit que nous ne contrôlons pas du tout, le cerveau se réveille et commence à être plus actif. 3. Lisez au moins deux livres à la fois, lire au moins deux livres à la fois pour garder un esprit actif. Il est vrai que la lecture est en soi un sport formidable pour l'esprit. N'importe quel genre littéraire nécessite de la concentration et de la mémoire. Sinon, il est impossible de suivre l'intrigue d'une histoire ou de comprendre un argument. Mais si nous lisons plus d'un livre en même temps, nous améliorons ses capacités. À partir de ce moment, nous faisons non seulement ce qui est nécessaire pour apprécier une lecture, mais pour différencier une histoire d'une autre. En plus de séparer le contenu, nous distinguerons les caractéristiques esthétiques des deux lectures. Tout cela en ayant un sentiment de bien-être généré par un bon texte. Souvenez-vous que tout ce qui produit du plaisir améliore le fonctionnement de notre esprit. 4. Pratiquez la méditation Pensez-vous que la méditation soit une contradiction avec le conseil précédent si oui, imaginez que c'est tout comme un autre sport. Après des périodes d'activité intense, il est essentiel de détendre les muscles. La méditation possède cette fonction, mais avec une particularité, elle favorise un moment de pleine conscience de soi. Cette entrée est entrer et se libérer de tout ce qui nous stresse pour embrasser ce qui nous donne la paix. Cependant, même si nous réalisons de nombreux exercices, quand nous avons un cerveau chargé de cortisol, il est presque impossible d'obtenir de bons résultats. Par conséquent, nous devrions passer plus de temps par jour à nous en débarrasser. 5. Danser la danse pour garder un esprit en bonne santé. Pratiquer la classe de danse est un très bon moyen de libérer de l'énergie. En outre, cela nous aide à réaliser des actions telles que les compétences psychomotrices et la coordination. Mais au lieu de la danse spontanée nous pouvons opter pour la chorégraphie car de cette manière nous travaillerons pour améliorer nos capacités concentration et notre mémoire. Ceux d'entre vous qui décident de danser, le feront habituellement parce qu'ils aiment cela. Par conséquent, nous ajouterons du bonheur à l'expérience pour garder un esprit actif. Et comme nous l'avons dit auparavant, cela est synonyme d'efficacité. Grâce à ces cinq conseils, nous aurons l'esprit en forme et prêt à surmonter les défis du temps qui passe et le stress de la vie actuelle. Si vous en essayez un, pouvez-vous nous dire ce que vous ressentez Nous vous enseignons cette stratégie simple et efficace pour détendre l'esprit. Mettez-les en pratique dès aujourd'hui. Dans cet article, nous allons vous expliquer cette manière simple pour détendre votre esprit quand vous en avez le plus besoin. Ces stratégies pratiques vont vous être d'une grande aide.